L'Open Park, c'est un fabuleux tournoi de tennis qui fait partie des plus gros tournois du monde, des plus gros tournois nationaux. Juste avant Langaros, sur terre battue, dans un écrin comme le parc de la Tête d'Or, qui est exceptionnel, et où on va avoir 30 des 80 meilleurs joueurs du monde. On a quelques joueurs français et lyonnais, surtout régionaux, qu'on va aider, voilà, soit dans le tableau, soit dans les qualifs. On fait du local, évidemment, mais on doit aider aussi les jeunes pour bien jouer en Langaros et peut-être justement créer une surprise, se faire connaître. Et nous, on est là aussi pour ça, pour révéler des nouveaux champions. On est une région où il y a énormément de clubs et de licenciés sur la partie tennis. Et donc, il y a une réelle dynamique pour le tennis. Et donc, pour nous, c'était naturel d'accompagner un événement tel que celui-ci, de faire revenir le tennis de haut niveau dans notre région. On a aussi des aides, une aide au niveau de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes pour un accompagnement au niveau régional. Et puis, le souhait, c'était aussi d'aider, d'accompagner les clubs. Et donc, on a créé un fonds d'aide à l'acquisition de matériel. Là, on est vraiment sur de la proximité. On aide vraiment les clubs en direct. Et puis, toujours sur l'investissement, il y a aussi, bien évidemment, et ça, c'est un pôle important, l'aide pour les équipements sportifs, les équipements structurants sur le territoire.